Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de l'oracle du Petit de Normand. Je m'appelle Alexandre Musruck et c'est une joie, comme vous le savez, tous les dimanches de vous accueillir chez moi et où on discute de l'oracle du Petit de Normand, des techniques, des pratiques, des choses qu'on peut faire avec ce jeu magnifique. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont là, qui sont fidèles, qui quand même prennent, on va dire, entre 20 minutes et une demi-heure de leur dimanche pour regarder cette vidéo et aussi de prendre le temps de commenter et d'essayer aussi toutes les techniques et tous les conseils que je donne. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Je suis vraiment touché par cet élan de fidélité, cet élan d'une bonne ambiance, quoi, on va dire. Alors, encore une semaine chargée ici, dans mes consultations et aussi avec mes élèves. Et donc, cette semaine, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait parler pour la rubrique de la semaine? Et la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est que le Petit de Normand, c'est un oracle de tous les jours. On l'utilise vraiment pour avoir des informations qui peuvent des fois sembler banales pour certaines personnes. Comme par exemple, je suis dans beaucoup de groupes d'études sur Facebook et où j'essaie de donner un peu de mon temps aux personnes qui sont intéressées par apprendre le Petit le Normand. Et dans l'un des groupes, les gens font des coupes journalières. Donc, on prend tout simplement le jeu, on fait une coupe. On a deux cartes et on interprète ces deux cartes pour un événement ou pour l'énergie de la journée. Et cette personne a eu la lettre et le cavalier. Qui est évident pour moi, c'est monsieur le facteur qui vient vous emmener du courrier. C'est un livreur qui vient vous livrer quelque chose que vous avez commandé. Et à la fin de la journée, ce qui est bien, c'est que ces personnes qui postent leur tirage, ils prennent quand même le temps de donner, vous voyez, les résultats, on va dire. Et cette personne a confirmé, oui, aujourd'hui, j'ai reçu, voilà, un colis du facteur que je n'attendais pas aujourd'hui. Donc, les cartes, vous voyez, elles savent ce qu'elles disent. Donc, on peut faire, des prévisions journalières. Ça peut nous pointer du doigt des petits accidents. Ça peut aussi nous prévenir aussi. Hein. Ça peut aussi nous donner des petits conseils. Par exemple, je sais, moi, par exemple, si je pense à un itinéraire, si j'ai les chemins, la montagne, c'est sûr que je change direct d'itinéraire parce que je sais qu'il y aura un embouteillage, qu'il y aura un blocage, peut-être qu'il y aura des travaux, on va nous faire passer par d'autres chemins. Donc, pour des petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui rendent la vie tellement plus agréable. Donc, j'ai pensé à ça aujourd'hui, de quoi je vais parler. Et je me suis dit aussi que le Petit Normand, c'est un jeu qui représente, voilà, des petits événements comme ça. Ça représente aussi des objets, d'accord? Des objets de la vie courante, comme par exemple le vaisseau, quand vous faites un tirage journalier. Il faut comprendre, quand vous faites un tirage journalier, l'ampleur de la signification, elle est réduite. D'accord? Si vous vous réveillez le matin et que vous tirez, par exemple, le vaisseau, ça ne va pas vous dire que vous partez en voyage dans la journée. Ça peut arriver, certes, mais c'est pas des choses qui vont arriver tous les jours. Donc, on minimise un peu l'impact de cette interprétation et on rend un peu la signification un peu plus terre à terre. Donc, pour moi, on va me parler de conduire, on va me parler de ma voiture. Parce que le vaisseau, le bateau, le navire, appelez-le comme vous le voulez, c'est un moyen de locomotion. D'accord? Comme par exemple, si vous posez une question sur la maison et vous vous dites, bon, est-ce que tout va bien dans la maison? Vous avez les souris? Ça ne peut pas obligatoirement vous montrer que vous allez perdre quelque chose. Ça peut peut-être vous dire de ranger un peu les choses pour ne pas perdre l'œil dessus, mais ça peut aussi vous prévenir qu'il y a quand même dans la maison des pestes. Vous avez peut-être des cafards, vous avez peut-être des petites souris qui se promènent, donc c'est un problème récurrent qu'il faudrait peut-être s'en occuper. Donc quand on fait des tirages journaliers, on minimise la signification, on la rend terre à terre, et vous verrez que vous aurez des messages vraiment éblouissant.
Moi-même, des fois, après 23 ans de pratique, ça m'arrive des jours où les cartes sont tellement claires que je me dis, oulala, ça fait même peur. Comme par exemple, je vous ai dit la semaine dernière que j'ai fait tomber mon magnifique appareil que je fais mes vidéos avec, qui m'a coûté un peu les yeux de la tête, on va dire. Et le jour où c'est tombé, le matin, quand j'ai fait ma coupe, j'ai eu la foi et les étoiles. J'ai pas compris tout de suite. Mais quand c'est tombé, je me suis dit, voilà, ils me l'ont montré. Quand vous avez la faux dans votre tirage, ça montre toujours quelque chose qui va être brisé, cassé, tombé, une chute. D'accord? J'avais déjà fait, quand on était plus jeune, avec mes cousins, je sais, j'avais fait un tirage où j'avais eu la faux et le cavalier. Et mon cousin s'est brisé les deux jambes. Donc, terre à terre encore. Et pourquoi la faux et les étoiles pour ma caméra? Parce que ben, les étoiles, c'est le cinéma, c'est l'audiovisuel, c'est quelque chose qui est visuel. Voilà, on utilise une caméra pour capter des images, pour capter un point focus. Comme là, par exemple, je suis au milieu de la caméra. La caméra, elle fait son focus, comme l'étoile. On a juste notre regard à la position des étoiles. Et avec la faux, ben, on me dit que ce que j'utilise pour mon audiovisuel va être brisé. Donc, je n'ai pas fait gaffe, parce que j'étais un peu pressé le matin. Et surtout, ne faites pas comme moi, conseil de pro, quand vous faites vos coupes, d'accord, faites-les quand vous n'êtes pas pressé, parce que vous loupez un peu la preuve, vous loupez un peu la signification. Donc, moi, maintenant, ce que je fais, si je fais les coupes, c'est après avoir déposé les enfants à l'école. Vous voyez, je reviens à la maison quand je prends mon café, quand la maison est calme, avant de commencer à travailler avec mes clients. Là, je fais ma petite méditation et ma prière. Et là, je fais une coupe. Vous voyez? Parce qu'il faut comprendre aussi que une prédiction de carte n'est pas une fatalité. Ça, je le dis toujours, encore, et je le dirai toujours. Quand vous partez chez quelqu'un pour avoir un tirage, pour avoir un conseil intuitif, cette prédiction, entre guillemets, on va dire, ou cette guidance, elle n'est pas une fatalité. D'accord? Par exemple, on va prendre mon contexte à moi. On m'annonce que mon appareil va tomber. Je ne vais pas m'asseoir dans la chaise et attendre que la chose arrive. Parce que je ne peux rien faire pour... Non, il faut savoir qu'il y a toujours une solution. Et avoir l'information, c'est avoir le pouvoir, hein, parce qu'on peut modifier l'issue. On peut modifier l'issue. Donc si par exemple, j'avais pris le temps de bien regarder et qu'on m'avait dit que mon appareil allait tomber, j'aurais pu vérifier mon trépied, j'aurais pu, voilà, dégager un peu l'espace où je filme ma vidéo, j'aurais pu changer la donne, peut-être ça aurait pu tomber et pas avoir les dégâts que malheureusement ça a eu. Voilà. Donc prenez le temps quand même de le faire quand vous n'êtes pas à la bourre, quand vous avez du temps devant vous. Et si vous ne comprenez pas tout de suite la signification, ben, vous pouvez aussi prendre la photo. Parce que votre téléphone est toujours avec vous. Vous prenez la photo, peut-être au cours de la journée, ces deux cartes ou trois cartes que vous avez. Deux cartes, c'est bien pour la journée. Ça vous donnera, comment dire, un peu plus de temps pour y réfléchir. Autre chose, comme je l'ai dit, une prédiction, ce n'est pas une fatalité. Quand vous avez du temps devant vous, vous pouvez réfléchir. D'accord? Moi, je suis quelqu'un qui... je suis croyant, donc je crois qu'il y a une force qui est beaucoup plus forte que nous. On l'appelle Dieu, on l'appelle le grand esprit, on l'appelle ce que vous voulez, hein. De toute façon, moi... je n'appartiens à aucune religion, je le dis tout le temps. Ma conception de Dieu, c'est une force, c'est une énergie pure, une énergie d'amour. Et comme tout parent, cette énergie, cette force a notre bien personnel en tête, malgré tout. Malgré tout, si vous êtes parent, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que malgré ce que vos enfants, ils ont des défauts, vous serez toujours là pour comprendre, pour protéger s'il faut protéger. Donc ma conception de Dieu, c'est ça. C'est
un être qui est là, qui nous comprend, qui nous épaule au long du chemin, mais non pas quelqu'un qui est barbu, qui s'assoit sur un trône et qui attend pour nous punir, parce que quand on fait des erreurs, qui est aux aguets, aussitôt qu'on fait une erreur, il nous lance une foudre. Non, moi, ma conception, ce n'est pas ça. Ma conception, c'est qu'on est là pour apprendre, pour grandir, on n'est que de passage, on est des énergies spirituelles qui font l'expérience d'une vie terrestre. Et après ce court passage, après tout le, comment dire, on a appris beaucoup de choses sur la vie terrestre. Après cela, on part. Et après, on va, ça c'est une autre histoire, pardon. Mais oui, je pense qu'il y a une force qui est là et qui peut nous aider. Et comment dire, je préfère ne pas donner de nom parce qu'il y a des personnes qui regardent la chaîne qui sont d'origine musulmane, qui sont chrétiens, qui sont arabes, qui sont hébreux, qui sont français. Peu importe. Moi, je vous, à travers toutes ces religions, ce que je vois, moi, c'est cette énergie, cet être d'amour qui est vraiment là pour aider quand on en a besoin. La seule chose, c'est qu'il faut juste l'appeler, lui demander « aide-moi ». Et quand c'est fait, vous restez ouvert et vous laissez les choses faire. La question de la semaine est une question très très intéressante et je pense que beaucoup de personnes se posent la question. Et moi-même, pendant un temps, je me suis posé la question, et comme c'est, comment dire, c'est un mythe, on va dire, au niveau de la cartomancie. Donc, la question c'est, est-ce que quelqu'un est obligé de recevoir un jeu en cadeau pour pouvoir faire de la cartomancie? Est-ce que les jeux qu'on achète nous-mêmes ne sont pas bien? D'accord. Le truc c'est que, il y a une pensée très ancienne qui dit que quand on va le jeu qu'on va utiliser pour faire de la cartomancie, de la divination, doit être un jeu neuf, bien sûr, un jeu que personne n'a jamais utilisé, un jeu qu'on vous a donné en cadeau. D'accord ? Sinon, ça ne marche pas. Alors, j'ai toujours entendu ça. Donc, moi, mon expérience, ça a été ces trois-là. J'ai eu un jeu neuf, que personne n'a jamais utilisé, mon tout premier petit Lenormand, et c'était un cadeau de mon oncle Georges. Est-ce que cela a eu un impact sur ma pratique et sur mes dons? Je ne pense pas. C'était un très beau cadeau parce que quand je regarde ce jeu qui est maintenant très vieux, je pense à cette belle époque où j'ai commencé la cartomancie et aux nombreux tirages et expériences que j'ai eues. Donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous offre un jeu pour faire de la cartomancie. Vous pouvez très bien commander en ligne, commander en boutique. C'est ce que vous faites après avoir reçu le jeu qui est important. Comme je le dis, on fait des accords avec notre jeu. Moi, j'ai un accord que j'ai avec mon petit Lenormand, c'est qu'il doit toujours me dire la vérité. C'est qu'il doit toujours me donner un message clair et compréhensif qui ne me fait pas trop travailler le cerveau. Que ce soit évident pour moi, mais aussi pour la personne qui reçoit le tirage. Donc, c'est ce que vous faites après avec les cartes qui est important. C'est l'intention que vous y mettez. Non pas quand vous l'achetez. Quand vous l'achetez déjà, il faut savoir que, certes, c'est un jeu qui est neuf, mais plus d'une centaine de personnes l'a manipulé avant vous. Oui, la personne qui les a imprimés, tous les employés qui se sont assurés de sa perfection, de la bonne couleur, du bon emballage, le livreur, la personne qui reçoit les cartons avec ses jeux, la personne qui fait les rayons dans votre petit magasin exotérique, et toutes les personnes du service postal qui les touchent avant que ce jeu arrive vers vous. Donc vous voyez que ce jeu n'est pas vraiment pur, comme vous le pouvez l'imaginer, parce qu'elle a été touchée par une centaine d'énergies et de personnes différentes. Donc c'est pour ça que c'est très important quand vous recevez votre jeu, il faut qu'il redevienne neutre,
et qu'ils redeviennent une énergie, comment dire, pure. Donc c'est pour ça qu'il faut le nettoyer, qu'il faut le recharger. Donc c'est dans une de mes vidéos, vous allez voir que je parle comment on bénit, comment on recharge, comment on nettoie ses cartes. Parce que voyez vos cartes comme une éponge. C'est une éponge psychique. D'accord? Quand vous donnez le jeu à votre consultant pour la couper ou pour en tirer les cartes, ou même quand cette personne est dans la même pièce, aussitôt que vous faites une connexion, ce que les cartes vont faire, elles vont absorber l'énergie de la question de cette personne et elle va la refléter à travers les images et les scénarios des cartes. Toute cette énergie va travailler pour vous créer des réponses, pour vous créer de la guidance. Et quand cette personne, elle est partie, il y a quand même un résidu de cette énergie qui reste dans vos cartes. Vous verrez souvent que si vous ne purifiez pas vos cartes, quand vous faites un tirage pour une personne différente, vous allez voir des similarités avec le tirage que vous avez fait précédemment. Et cette personne qui reçoit le tirage ne va pas comprendre parce que pour elle, tout ce que vous dites, tout ce que vous lui dites, c'est un peu du chinois et ça n'a aucun rapport avec le pourquoi de sa question. Donc, ce n'est pas important si vous recevez le jeu ou vous l'achetez. Bien sûr, quand quelqu'un vous le donne, il devient spécial. Ça, c'est sûr. Mais malheureusement, pas tout le monde aura l'idée de vous offrir un oracle pour pouvoir travailler avec. Alors, pour le tirage de cette semaine, j'ai voulu travailler avec mon petit Lenormand néophyte, car beaucoup de personnes ont demandé à voir ce jeu, qui est un jeu français. Vous avez de belles images, de belles photos, et vous avez sur chaque carte le titre de la carte à jouer, l'orientation, si elle est négative, positive ou neutre. On a aussi les mots-clés, et on a un petit poème qui donne un peu voilà la signification de la carte. Et vous avez aussi une indication relative au temps, comme par exemple le soleil, c'est quelque chose qui se passe le matin, qui se passe pendant le jour. Donc, c'est un jeu qui est très bien pour ceux qui débutent, mais aussi pour ceux qui sont déjà dans le normand et qui veulent avoir, comment dire, d'autres interprétations pour leurs cartes. Et c'est bien pour mémoriser tout ce qui est temps, tout ce qui est... voilà quoi. C'est pas mal comme jeu. Donc vous le trouverez sur mon site, lelormandextraordinaire.wordpress.com ou sur ma boutique Etsy. Et elles ont une belle bordure argentée. Et vous avez aussi la version sans le bord décoratif qui rend le jeu un peu plus abordable pour certains. Et je vais aussi remercier les gens qui ont pris le temps quand même de commenter hein, pour le tirage la semaine dernière, qui ont dit que voilà, que les cartes validaient exactement ce qu'ils vivaient, qu'ils étaient bluffés. Et merci quand même de, comment dire, de prendre le temps de valider ces prédictions et ces guidances. C'est tout, ça fait toujours plaisir de voir que le travail est apprécié. D'accord? Donc on va mélanger les cartes. Je vais me concentrer sur cette semaine qui vient. Et vous voyez en même temps, hein, c'est des cartes de très bonne qualité qu'on peut manipuler avec facilité. Donc pour cette semaine, je vais faire trois petits tas comme j'ai fait les semaines précédentes. Je vais couper un peu le jeu quand même pour mettre un peu mon énergie et mon intention dans ce jeu. Et je vais faire trois tas. On va les faire comme ça. Je laisse les cartes venir à moi. C'est vraiment au feeling. Travailler avec son instinct, son intuition.
Et vous verrez que les cartes répondent à cet appel intuitif. Alors, un dernier pour le tas. À la place de numéroter les tas, cette semaine, nous allons mettre des petites pierres. Alors, quartz rose, agate bleue et cornaline. Je vais vous laisser un petit moment pour vous concentrer sur votre question. Comme d'habitude, donc, si vous avez une question, vous la posez. Si vous avez une question fermée qui est répondue par oui ou par non, vous la posez aussi. Et voilà, choisissez une des pierres qui va représenter votre semaine. Alors, on commence par l'agate bleue. Alors, les cartes qui sont sorties pour l'agate bleue, c'est l'ours, la croix et le soleil. Alors, nous avons une carte neutre, une carte négative et on termine avec une carte positive. Il faut comprendre que lire le Lenormand, c'est comme lire un livre. On commence par la première carte et on regarde qu'est-ce qui ponctue la phrase, d'accord? Alors, moi, je commence toujours par le milieu parce que j'utilise la méthode de la carte focus, ce qui veut dire que la carte centrale me donne. C'est ma carte d'ancrage. Elle me dit ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors, avec la croix, c'est une semaine qui est quand même difficile. Difficile côté finance, surtout avec l'ours. Hein. C'est des... Il y a peut-être des dettes à régler, des factures à payer, des choses qui... Des choses que vous auriez dû peut-être régler il y a 6 à 8 mois de cela. Des choses qui commencent à grossir un peu. Hein. Donc, il faudra vraiment faire prendre une décision. Et il faut vraiment s'occuper de ça. C'est aussi peut-être un fardeau au niveau professionnel où on vous donne beaucoup trop de responsabilités et vous n'êtes peut-être pas rémunéré pour autant. Même pas merci, c'est comme si que vous êtes obligé de faire le travail qu'on vous donne. Sachez que si vous donnez le pouvoir aux autres, que vous laissez les autres personnes prendre le pouvoir, mais écoutez, ils vont abuser, ils vont vraiment, vous gâcher la vie. Donc cette semaine, on vous dit que vous êtes le soleil. Vous pouvez vous débrouiller tout seul ou toute seule. Vous avez tous les potentiels, vous avez le savoir-faire. S'il faut trouver un autre travail, il serait temps peut-être de penser à cela. La croix parle aussi du sens où, ça parle du passé certes, mais ça parle aussi du sens où on est habitué avec ce qu'on a. On se contente du peu, on se contente des miettes. Alors que le soleil ici, lui, il vous dit que à la place de vous contenter d'une petite miette, vous avez droit à un gros morceau de gâteau. D'accord ? Donc ne laissez pas les autres récolter les lauriers de votre labeur, ne laissez pas les autres mettre des fardeaux sur votre dos. Soyez fort, l'ours c'est une carte qui appelle à la force, surtout avec le soleil. C'est comme la force dans le tarot de Marseille où on vous demande de prendre les choses en main, de maîtriser les choses et vous verrez que ce n'est pas aussi difficile que ça. Donc vraiment cette semaine, on vous encourage à aller de l'avant. Si j'aurais une recommandation à faire, c'est que pour avoir du courage, puisque c'est une pierre d'agate bleue, et le bleu est relié à l'énergie de l'archange Michael. Donc vous pouvez adresser une prière à l'archange Michael pour qu'il vous donne le courage, qu'il vous donne la détermination et vraiment le courage de faire face à vos craintes, à faire face à vos tourments. Donc faites une petite prière à l'archange Michael ou l'archange Michel, comme on dit en français, et il vous aidera à vraiment ouvrir les portes pour vous. Si votre question est d'ordre du oui ou du non, cette semaine est une semaine qui est plutôt mi-figue, mi-raisin. Je ne dirai pas oui, je ne dirai pas non. Tout va dépendre de comment vous abordez les choses dans votre question. D'accord ? Tout va dépendre de comment vous abordez les choses, comment vous faites face à la situation. Et voilà quoi. Et les choses pourront être agréables. Ça va dépendre de comment vous réagissez. Donc ça, c'était le premier tas de l'agate bleue. Pas mauvais comme tirage pour cette semaine. Hein.
Alors, nous allons, voilà, on va prendre la cornaline, la pierre de courage, et nous allons voir les trois cartes qui sont sorties. Nous avons le jardin, la clé et les poissons. Très positif, contrairement au tas de l'agate bleue. Ce tas vous dit que financièrement les choses vont aller. Les caisses commencent à pas vraiment à être pleines, mais on peut faire des budgets, on voit où va notre argent, et vraiment avec la clé là, on a une ouverture. On a trois cartes qui est très positive. Le jardin est positif s'il y a d'autres cartes. Elle est neutre et positive en même temps. Mais avec d'autres cartes positives, elle devient forcément positive. Alors, on vous dit que cette semaine, si vous avez des démarches à faire concernant des prêts, concernant les finances, votre situation pécuniaire, vous serez aidé. D'accord? Vous serez aidé. Et ouais, vous serez aidé. Et la clé ici, regardez ce que la clé elle nous dit, c'est notre carte d'ancrage. La clé nous dit, oui, cette clé magnifique, crois-moi, est un puissant symbole magique. Il a le pouvoir de tout ouvrir, même les portes d'or de l'avenir. Donc là, on vous dit que il y a des choses, il y a des ouvertures qui se passe pour vous, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a vraiment des choses bien qui vont arriver financièrement parlant, mais aussi si vous êtes célibataire, la clé et le jardin, on vous dit que vous allez rencontrer des gens. Je ne vous dis pas que vous allez rencontrer l'âme sœur, hein. Avec le jardin, c'est vraiment rencontrer plusieurs personnes dans un petit court laps de temps. Donc, il y a une ouverture au niveau des sorties, des rencontres, de manger ensemble. Mais on vous dit qu'ici, moi, ce qui m'intrigue, c'est vraiment cette combinaison de ces deux cartes-là et de celle-là. Parce que ici, on vous dit que vous devez vous ouvrir aux autres. Si vous voulez trouver quelqu'un, hein, il faudra vous ouvrir aux autres. Mais en même temps, vous avez des blessures du passé qui ne sont pas encore guéries. Les poissons. La profondeur, regardez, les poissons plongent dans l'inconscient, la profondeur. Et voilà. Donc, il faudra vraiment, comment dire, essayer de voir pourquoi vous n'arrivez pas à refaire votre vie, pourquoi vous n'arrivez pas à attirer quelqu'un de bien. C'est que peut-être vous avez des blessures du passé qui sont encore là. Ce sont des blessures qui sont encore béantes. Regardez, si je vous retourne la cornaline, regardez, elle fait la forme de. Vous savez, quand vous vous blessez, vous avez comme une coupure, elle fait comme une croûte. Et involontairement, hein, j'ai pris cette pierre et j'ai remarqué ça tout à l'heure. Et là, on parle de guérison avec les poissons, on parle de comment dire, de profondeur, de subconscient. Donc, il faudra vraiment cette semaine penser à ce qui vous blesse, ce qui agit encore dans votre présent, des choses de votre passé qui agit dans votre présent. Et on vous dit avec la clé, c'est maintenant qu'il faut réagir, c'est maintenant qu'il faut voir les choses. D'accord? Donc, on a un aspect général des cartes qui nous dit que financièrement ça va aller. On a des rencontres, c'est bien aussi, mais si on veut quelque chose de sérieux en termes affectifs, il faudra vraiment guérir ces blessures du passé. D'accord? Peut-être qu'il y a eu un abus de confiance, on vous a fait croire des choses, et voilà. Donc ça agit toujours. Et quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire un peu l'enquêteur et de poser mille et une questions. Et ça a tendance un peu de mettre la méfiance et à faire fuir les partenaires potentiels. Donc faites très attention. Votre question du oui ou du non, la réponse est un grand oui. Avec la clé, c'est oui, allez-y. Et avec les deux autres cartes, c'est encore dit oui. Donc, une semaine vraiment positive pour vous si vous avez choisi la cornaline. Maintenant, on va aller au quartz rose, pardon. Nous allons voir les trois cartes qui sont sorties. Nous avons la dame, nous avons le chien et nous avons la bague. C'est magnifique. C'est magnifique, pourquoi? Parce que le chien, pour moi, c'est la carte du partenaire. D'accord? Et avec la bague, la belle bague, cette belle bague vintage,
Je crois que c'est une topaze qui est dessus cette bague. Enfin, je ne me rappelle plus, mais bon, c'est une pierre qui est précieuse aussi. Donc, ici, on vous dit que, très chère consultante, vous avez la possibilité, cette semaine, d'avoir un partenaire ou de ranimer un peu la flamme avec votre partenaire. Il y a aussi des signatures, il y a aussi des accords, il y a aussi des partenariats, il y a plein de choses qui arrivent pour vous où ça parle un peu de fusion. Ça peut parler de projet en général, ça peut parler aussi de relations, mais ça peut parler aussi d'une idée productive qui vous permet vraiment comment dire, d'avoir un avancement, d'accord? Ce tirage-là, c'est vraiment le contraire du tirage de la cornaline. Là, on vous dit que ici, vous êtes déjà guéri de vos blessures du passé, que vous avez compris que s'attacher aux autres, s'attacher à des personnes qui ne valent pas la peine, ne vous rend pas service. Et vous êtes prêt de vous vraiment à faire le grand plongeon, à rencontrer l'âme sœur, à rencontrer une personne de confiance. Et vous êtes aussi aux aguets, vous ne loupez pas les occasions. Et peut-être même que vous en créez. Donc ça, pour vous, c'est très bien. D'accord? Cette semaine, c'est vraiment une semaine aussi, peut-être que vous allez apprendre qu'une de vos amies ou une personne de votre entourage se marie ou se fiance. Parce que le chien, faut pas l'oublier, c'est aussi la carte de l'amitié avec la bague, c'est voilà, une alliance, c'est des fiançailles, c'est aussi des accords. C'est peut-être aussi un partenariat que vous faites avec une copine. Donc, par exemple, faire des petits bijoux que vous voulez vendre dans une petite boutique ou vraiment comment faire des petites choses à la main, vraiment créatif, des bijoux, des choses qui brillent. Parce que la bague, c'est tout ce qui brille, même si ce n'est pas de l'or. Alors des petites choses, des perles ou je ne sais quoi. Mais voilà, une semaine vraiment créative pour vous et une semaine où vous serez sous la protection d'un ami. Et où vous pourrez compter sur les autres pour vous aider. J'espère que la vidéo de la semaine vous a plu, vous a inspiré. Moi, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de joie à la faire pour vous, comme chaque semaine, je m'amuse. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais, c'est ma passion, c'est ma raison d'être, c'est mon art. Et pouvoir la partager avec vous d'une façon simple et ludique est très important. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, sachez qu'il faut le faire. Il faut le faire. Encouragez-moi, encouragez mon équipe, encouragez tout le monde autour de vous. Partagez mes vidéos. Si vous êtes aussi un administrateur de groupe sur Facebook, sur le Petit Normand, et que vous voulez utiliser mes vidéos dans vos leçons, allez-y, partagez. C'est là vraiment pour inspirer les gens. C'est là pour vous. D'accord? On n'est plus à une époque où les choses sont taboues, où il faut garder les secrets, où on ne montre. Moi-même, j'ai déjà eu plusieurs, comment dire, plusieurs réflexions, où les vieilles tantes qui faisaient les cartes me disaient, tu n'as pas le droit de divulguer notre secret de famille aux autres. Mais non, c'est le partage, d'accord? On n'a pas le monopole, d'accord? On n'a pas le monopole, on est tous égaux. On est ici, comme je vous ai dit, pour apprendre, pour évoluer. Et c'est ce que je fais sur cette chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous verrai dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.